Bénis ta parole, qu'elle soit logée dans nos cœurs et qu'il y ait, Seigneur, une semence qui puisse croître et amener une transformation dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Prière de vous rasseoir. Merci, Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Chaque dimanche, il nous réunit. Et combien je suis en train de prier que ce même nombre de personnes puissent se retrouver le mercredi et le vendredi dans nos cultes de la semaine. Je ne sais pas, peut-être vous avez des programmes très chargés, mais je pense que dans les temps qui courent, la Bible dit, depuis que le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Soyons violents dans la présence de Dieu, soyons violents, violentes pour les choses de Dieu. Les choses éphémères passeront, mais les choses de Dieu. J'étais en train de prier et le Seigneur était en train de me dire, il y a des choses qui passeront. L'essentiel ne passera pas, l'essentiel va perdurer, mais les choses secondaires passeront. Et dans l'essentiel, il y a Dieu, il y a ces principes du royaume de Dieu que nous devons rechercher de tout notre cœur, s'il vous plaît, bien-aimés. Prenons le temps, la semaine, de venir nous ressourcer dans sa présence. Certes, nous avons aujourd'hui les médias sociaux, mais les médias sociaux n'équivalent pas à la présence de Dieu. La présence de Dieu, lorsque nous venons dans sa présence, il y a comme un torrent d'amour qui jaillit en nous. Oh, j'ai beaucoup aimé ces moments de louange, d'adoration, combien béni. Il y a des moments comme ça, vous sentez que le royaume de Dieu est descendu, que les anges sont en action, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Et je prie, bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour toi. Cela fait plusieurs dimanches que nous avons commencé cette merveilleuse étude sur prenons possession de notre héritage. Ça fait depuis le mois de janvier, nous sommes là. Et aujourd'hui, j'aimerais pas clôturer, mais mettre une pause pour permettre aussi à d'autres personnes de venir nous enseigner. Parce que je crois que tous, à chacun qui passera du haut de cette chair, il y a un dépôt que Dieu a mis dans son cœur pour pouvoir enseigner. Je prie que le Seigneur donne la force à ceux qui passeront après moi de pouvoir communiquer la pensée venant de la part de l'Éternel. Et nous sommes arrêtés sur les caractéristiques bien-aimées qui accompagnent les conquérants ou les conquérantes de Dieu. Le passage clé, nous le connaissons, de Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 8. C'est un passage, vous vous réveillez, en vous dormant, vous réveillez, vous devez le citer, le connaître par cœur. Cette image qu'on nous met, bien-aimés, partageons-la dans nos réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, dans nos smartphones. Partageons cette image. Il faut que nous puissions entrer en possession de notre territoire. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au rêve en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il y a une partie qui manque toujours. Si je parle comme ça, c'est comme si j'ai scanté la parole de Dieu. Vous avez assez demeuré. Il dit, tournez-vous, allez dans la plaine des Amoréens, ainsi de suite. Voyez, je vous ai donné la possession de cet héritage. Et bien aimé, je crois qu'il est important d'entrer en possession de ce que Dieu nous a dit. C'est l'année de toute possibilité. Et nous avons eu à parler des caractéristiques, bien aimé, d'un conquérant, d'un héritier, de ceux et celles qui veulent
posséder leur héritage. Le premier caractéristique sur lequel nous avons eu à parler, c'est une personne active, constante et non oisive. Nous aurons le temps d'y revenir parce que je parlerai sur le travail. Parce que l'un des éléments aussi qui nous fait entrer en possession de notre héritage, c'est le travail. Aujourd'hui, si on vous a légué des biens matériels, c'est parce qu'il y a une personne qui a eu à travailler afin d'acquérir ces biens. Bien-aimé, il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de possession d'héritage sans travail. Bien-aimé, il est important que vous puissiez connaître cela. Parce que souvent, nous sommes en train de former des oisifs, des passifs qui pensent que tout tombera du ciel. Lorsqu'Israël est entré en possession de leur héritage, la Bible dit, et la manne, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'ils sont entrés dans les territoires que Dieu leur avait donné, ils devaient travailler pour manger. Pendant plus de 40 ans, Dieu les a nourris dans les déserts. Pendant 40 ans, Dieu les a nourris dans les déserts. Il leur a donné la caille, il leur a donné la manne. Mais lorsqu'ils sont entrés en possession, bien aimé, ils devaient travailler pour acquérir leur héritage. On est ensemble? J'y reviendrai prochainement. Parce que je suis de celui qui a envie de booster les gens à travailler. Si tu ne trouves pas le travail, crée ta propre entreprise. Il y a quelques semaines, quelques jours passés, j'ai rencontré un jeune homme de 29 ans. Il est étudiant, mais j'étais vraiment touché. Il me dit, j'ai suivi une prédication de l'apôtre Dallo, ma frustration, ma vocation. Il dit, je suis en train de demander qu'on me donne, je ne sais pas, je pense une autorisation. J'ai beaucoup aimé ce jeune homme. Déjà étudiant, il a une vision de travailler, d'être un entrepreneur, d'entreprendre. J'ai béni ce jeune homme, 29 ans. Vendredi, je vais saluer une sœur de l'église, permettez-moi d'en parler, mais j'ai dit qu'elle viendra témoigner. Et je parle avec elle, et je commence à dire, comment tu vas, comment va ta situation ici, comment vont les parents? Et elle me dit, non, ça va, maintenant ils sont chez eux. J'ai dit, chez eux. Et elle me dit, non pasteur, j'ai pu trouver un lopin de terre, j'ai construit une maison à 3 chambres, Et j'ai pu déplacer mes parents de là où ils étaient parce que payer me revenait cher. Et je les ai placés dans cette maison, ainsi de suite. Je regarde cette soeur, je dis, mais ma soeur, tu n'as pas les documents d'ici. Comment tu as fait? Sans papier. Elle a su acheter un terrain. Je dis bien, sans papier. J'avais envie de la prendre, de rester l'écouter. Il me dit, pasteur, moi, ces histoires-là de Cabello, ces histoires de... Moi, je suis économe. Sans papier. Ce sont des choses qui doivent nous booster. Sans papier dans ce pays. Elle n'est pas reconnue. Elle travaille, je ne sais pas comment. Elle a des grâces. Mais elle a su mettre ses parents à l'aise. Donc, nous ne sommes pas épargnés. Et durant ce temps de séminaire, je lui ai dit, je voudrais que tu témoignes, parce qu'il faut qu'on booste les gens. C'est bien, on aura métanoïa, mais il faut que les gens témoignent. Comment entreprendre avec Christ? Ah, par lui. Parce que le passage de base, c'est le psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. On est ensemble, bien-aimés. Et deuxième caractéristique, une personne de foi qui croit à ce que Dieu a dit en elle, et croit, on ne va pas y revenir. Et la troisième caractéristique, c'est là où nous sommes beaucoup attardés, c'est sur cette que nous avons, j'ai appelé la maturité. Elle doit être une personne mature, parce qu'on ne peut pas donner un héritage à un enfant, il faut que la personne atteigne sa pleine maturité. Et dans cette maturité, nous avons eu à voir... parler de 3 étapes, nous sommes attardés sur la première étape qui fut celle de la conception, où nous avons eu à parler sur la conception, les choses que Dieu place en nous, bien-aimés. Il y a des choses que Dieu loge en nous et que ces choses doivent grandir en nous. Ces choses doivent grandir. Et la deuxième étape, c'était laquelle qui peut me rappeler? La gestation ou la grossesse. Merci parce que vous suivez.
C'est-à-dire que la chose que Dieu a placée en nous doit grandir. Et nous sommes limités là parce que nous avons eu à parler de ce terme de conception. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, il dit, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vient de Dieu. Et il y a cette force d'abstraction où Dieu est en train de faire grandir en nous ces choses, bien-aimées. Et nous avons dit que la valeur intrinsèque d'un homme, c'est ce qu'elle est et non ce qu'elle a. Parce que ce que tu es va provoquer ce que tu as. Souvent, nous aimons valoriser ce que nous avons, mais nous ne voulons pas valoriser ce que nous sommes. Il y a des qualités qui sommeillent en nous et qui ont besoin d'être boostées. J'en parlerai prochainement, bien-aimé. Amen. Et le dimanche passé, nous nous sommes attardés, bien-aimés, sur ce thème de gestation. Bien-aimés, pourquoi la gestation? Dans la gestation, nous avons dit, dans la gestation, bien sûr, il y a ce temps de grossesse. La Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1er, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il y a des douleurs de l'accouchement, mais il faut que Christ soit pleinement formé en vous avant d'accoucher. Et nous avons vu, bien-aimés, le livre du prophète Habacuc, où Dieu parle à Habacuc, il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et si elle tarde, elle tend là car elle s'accomplira certainement. Un temps fixé, oui, c'est vrai, mais Dieu demande d'attendre. Et dans ce mot attendre, ce verbe attendre, il y a ce qu'on appelle la patience, qui doit être une qualité de tout héritier. Aujourd'hui, bien-aimé, permets-toi-moi d'en parler. Dans ce monde occidental, parce que nous, dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui se passe? L'héritier sait que le père a laissé l'héritage. Il veut provoquer la mort de l'héritier, du testataire pour posséder l'héritage avant le temps. On voit ça. Il provoque la mort du testataire parce qu'il veut posséder l'héritage. Mais la patience, j'ai toujours été étonné de la patience du prince Charles. Il est devenu roi, il s'appelle roi comment? Roi Charles III. J'ai toujours été étonné. Sa mère a eu la couronne à la vingtaine. Lui, il a plus de 60 ans, maintenant il a quel âge? Pardon? À peu près 70-70 ans. On vient de lui diagnostiquer un cancer. Ils ont besoin de la puissance de Dieu pour que le Seigneur leur guérisse. Mais à 70 ans, il va régner pendant peu de temps. Sa mère a régné pendant plus de 70 ans. Mais il était patient. Et ce jour-là, tous les écrans qui étaient braqués sur sa mère il y a plus de 70 ans se sont tournés vers Charles III. Malgré son âge, il est arrivé à la royauté. Sois patient. Ton tour arrivera. J'aimerais dire à quelqu'un, sois patient. William, sois patient. J'appelle quelqu'un William. Ton tour arrivera. Même si ton père est atteint du cancer, sois patient. D'ailleurs, prie pour que Dieu les guérisse. Parce que souvent, nous envions les postes là, mais quand vous arrivez, j'avais vu un jeune homme d'origine africaine devenir président des États-Unis. Il avait les cheveux tout noirs. En quelques mois, les cheveux sont devenus blancs. Yes, we can. Il est entré dans la réalité des choses. Vous savez qu'on devient blanc, c'est-à-dire qu'il y a... Comment on explique ça, la blancheur des cheveux, vous qui êtes médecin? Il y a des cellules qui meurent avec l'âge. Mais là, ce n'était pas avec l'âge. Là, c'est le problème. La réflexion. On te parle de la Russie. On te parle de l'Afrique. On te parle de tueries dans ton propre pays. Tu résides tous tes conseillers. Même si la Bible dit que le salut vient d'un bon nombre de conseillers. Tu dois prendre des décisions, quelquefois contraires, quelquefois imposées par les lobbies. Tu es venu avec Obamacare, on t'a bloqué. Ah.
Maintenant, il est à l'aise en t-shirt en train de se balader. Maintenant, c'est l'autre Joe Biden qui a pris la relève. Et lui, il est en train de tituber. Le poids de la responsabilité lié au poids de l'âge. Il commence à trébucher. Je ne me moque pas, mais je suis en train de vous faire réfléchir. Sois patient. Que Dieu te prépare pour ces choses. Que lorsque tu en sortiras, que tu sortes vraiment comme un homme fait, prêt à affronter ces choses. J'aime beaucoup Dieu, comment il s'est occupé de David. Il a dit, c'est un homme selon mon cœur. Mais il doit d'abord être patient. Je n'ai pas envie de le perdre comme j'ai perdu le roi Saoul. Parce que Saoul n'était pas préparé. Il est tombé dans le piège de l'orgueil. Saoul n'était pas destiné à être sacrificateur. Quand tu n'es pas patient, tu feras le travail que l'autre doit faire à ta place. Parce que tu n'es pas patient. Il va dire à Samuel, j'ai vu que tu tardais et que le peuple s'éloignait de moi. C'est pour cela que j'ai fermé. Toi, est-ce que Dieu, je t'avais dit d'attendre 7 jours. Au terme de 7 jours, je viendrai. Mais lui, il a attendu 6 jours. Après 6 jours et quelques heures, il s'est improvisé sacrificateur. J'aimerais vous dire, le ministère ne s'improvise pas. Les choses auxquelles Dieu ne t'a pas appelé ne deviennent pas quelqu'un qui improvise. Laisse Dieu combler le vide. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen de gloire. On est ensemble, bien-aimés. C'est pour cela que Dieu préfère toujours travailler d'abord notre être afin que nous sachions conserver notre avoir. Rapidement aujourd'hui, j'aimerais clôturer avec ce problème. Ou je parle de ce problème, mais j'aimerais plutôt clôturer avec ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Excusez-moi. Allez, nous allons prendre le cas de Néhémie. Nous avons eu à parler de Néhémie la dernière fois. Néhémie, bien-aimé, est chanson du roi. Il se retrouve dans une situation où il est mis en déportation. Mais tellement que c'est un patriote, il prend toujours des nouvelles de son pays. Et la Bible dit, dans Néhémie chapitre 1er, il va s'enquérir. On va lui dire que le Jérusalem est au comble du désespoir. Et ses portes sont consumées par le feu. Et au verset 4, la Bible dit ceci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et priais, je priais devant Dieu. Devant le Dieu des cieux. Il a entendu ces choses. Il y a quelque chose qui a été logé en lui. Il y a eu ce temps de conception. Mais à un moment donné, il a commencé à prier. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Et il voulait tout faire pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait. Il fallait avoir l'aval du roi. Et plus tard, lorsqu'il va se présenter devant le roi, il va lui verser le vin. Le roi va lui dire, mais pourquoi tu as mauvaise mine? Il va dire, comment pourrais-je avoir bonne mine? Alors que mon pays d'où je viens est détruit, les portes sont consumées par le feu. Et le roi va lui dire, que me demandes-tu? Et il dit, je priais le Dieu des cieux. Et il lui fit cette réponse. Il dit, j'aimerais avoir ton approbation pour aller rebâtir la muraille. Et Dieu va lui donner, plutôt le roi va lui accorder cette grâce d'aller rebâtir la muraille. Et nous sommes dans Néhémie chapitre 2, versets 11 à 16. Écoutez ce qu'il est dit. J'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours. S'il vous plaît, vous pouvez un peu baisser mon retour, s'il vous plaît, merci beaucoup. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit, j'aimerais que vous souligniez cela, à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortais de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine et de Jérusalem. Et réfléchissons, j'aimerais aussi que vous souligniez cette action. Réfléchissons à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source de l'étang du roi. La source de l'étang du roi. Et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée.
Et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient. J'aime encore que vous souligniez ce verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient de cette affaire. Moïse, Némi avait commencé par entreprendre un projet que Dieu avait déposé dans son cœur. Mais avant d'entreprendre, Némi a commencé à prier. J'aimerais pas, bien aimé, que vous pensiez que je suis de ceux qui découragent la prière. La Bible dit, recommande ton sort entre les mains de l'Éternel. Le psaume, c'est au Proverbe 16, verset 3. Recommande ton sort entre les mains de l'Éternel et tes projets réussiront. Il a recommandé son sort. Il a recommandé ce qui était dans son sein. Il a recommandé cette activité. Parce que dans la version Bible français courant, il est dit ceci. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Expose-les. Aucune activité, quelle que soit grande ou petite, bien aimé, associons toujours le Seigneur. La prière doit être la base de tout. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. J'ai un ami qui arrive dans ce pays, je l'ai déjà dit, il arrive, il était un enfant de Dieu, plein de foi. Il arrive, il m'écrit, c'était dans les années 2000-2001, il m'a dit, tu sais Hugues, dans ce pays on peut réussir même sans la foi. J'ai dit, waouh, je suis venu, j'ai vu cet ami. Aujourd'hui il essaie de se reconstruire. Et pourquoi il est venu dans ce pays? Il n'a pas cherché à bâtir avec Dieu. Pourquoi? Parce que les attraits, on voit qu'il y a facilité. Mais quand tu entres dans l'engrenage de ce pays, tu ne sauras même pas construire une maison. Tu vas te prendre conscience qu'on a besoin de Dieu, de la grâce de Dieu. Quel que soit le salaire que tu gagnes, quel que soit frère, associons Dieu. Et je dis, Némi était dans cette période durant laquelle il est en train de mettre sur pied. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, il arrive face à la réalité, face aux choses. Oui, certes, j'ai prié, mais je dois être en contact avec la réalité. Tu as prié pour que Dieu te donne du travail. Tu as prié pour que Dieu te donne le succès dans tes entreprises. Mais il faut être en contact avec la réalité des choses. Il est fort dommage aujourd'hui, nous avons des chrétiens paresseux, paresseuses. Ils prient et puis ils croisent les bras. Ils disent Dieu va faire. Et quand on chante ici, Dieu va faire encore. L'autre, il est en train de dire Dieu va faire encore. Non, Dieu va dire non, je ne vais pas faire tant que tu ne vas pas bouger. Je ne vais pas faire tant que toi, tu ne feras pas ta part. Parce que j'aimerais vous dire, même dans l'activité, dans la prière, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est même dans la prière, nous devons nous approcher. Donc, nous devons fournir l'effort. Même la prière n'est pas pour les paresseux. C'est un effort. Un moment comme ça, le Seigneur vous réveille, vous n'arrivez plus à dormir. Vous êtes en train de gesticuler dans le lit. Il y a quelques jours, je dormais et j'ai entendu comme la voix de mon épouse m'appelait. J'ai sursauté. J'allais utiliser un autre terme. J'ai sursauté. Et j'ai dit oui. Et puis j'ai vu qu'elle dormait. Je suis allé, moi je sais quand je sursaute comme ça, c'est entre 3h et 4h. Et je vais voir l'aiguille de la montre, il était 3h20. Et j'ai compris que c'était le rendez-vous divin. C'est un travail même la prière. C'est un travail où tu dois dire au corps, lève-toi, nous allons à la rencontre de Dieu. La prière n'est pas pour les fainéants. La prière n'est pas pour les paresseux. C'est pour cela le vendredi à la montagne de la transfiguration là. C'est pour les vaillants hommes et les vaillantes femmes qui viennent lâcher prise. Qui viennent lâcher ce que Dieu leur a donné pour recevoir un fardeau léger. Si tu n'es pas violent, violente ma soeur, tu vas voir les gens progresser, toi tu vas rester la même. Tu resteras la même, tu ne vas pas comprendre. Cet homme, cette femme a développé une nouvelle activité, la prière.
Tu ne peux pas vaincre le diable si tu n'es pas un homme et une femme de prière. Tu ne peux pas te tenir devant le diable. Le diable est venu attaquer Jésus, mais Jésus, puisqu'il est un homme de prière, il s'est arrêté. Il a attendu le moment favorable, mais il n'a pas trouvé de moment favorable. Le seul moment favorable qu'il a trouvé, c'est en Judas. La Bible dit, le Satan entra dans Judas et Judas prit la résolution de le vendre. Mais Judas est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ était entré dans son temps de faiblesse pour laisser s'accomplir ce que Dieu avait dit. Si tu es un homme fort, une femme forte dans la prière, le diable ne pourra pas te toucher. Tu n'auras même pas peur des sorciers de ta famille. On n'entrera pas pour voler ce qui est à toi. C'est pour cela que quand vous venez, pasteur, prie pour moi. Sois d'abord toi-même. Sois fortifié dans la prière. Sois un homme qui aime Jésus. Sois une femme qui aime demeurer dans la présence de Dieu. Il y a des situations de ta vie qui ne pourront pas changer parce que tu as simplement allé, tu as des connexions avec des gens. Ça va changer parce que tu es un homme de prière. Tu sais flouer les genoux devant Dieu et tu dis, il n'y aura cette année ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Vous savez, j'étais en train de relire l'histoire d'Élie. Lorsque Élie a fait cette déclaration, on ne voit pas où il a prié. Mais pour que la pluie revienne, la Bible dit que Élie mit son visage entre les genoux. Il a envoyé son serviteur 7 fois. Pour voir ce qui se passait. Alors quand j'étais en train de méditer sur ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, tu as dit que ma pluie va revenir. Mais le Seigneur est en train de me faire comprendre. Oui, il y avait une sécheresse. Et pendant ce temps de sécheresse, le ciel était fermé. Mais il y avait aussi des entités célestes contraires qui avaient aussi fermé le ciel. Parce que le Dieu de Baal et d'Astarté est en train de se mouvoir. Ils avaient bloqué toutes choses. Et ils devaient persévérer malgré ce que Dieu lui avait dit. Il devait ployer ses genoux. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Pour que cela sorte de toi, il faut que tu sois un homme de prière. Il faut que tu aimes la présence de Dieu. Il faut, si tu ne veux pas, Dieu va t'imposer sa présence pour que tu puisses accoucher des choses qui sont en toi. La grandeur ne vient pas par des déclarations. La grandeur vient lorsqu'on fléchit les genoux. Plus tu deviens petit, plus Dieu te fait grandir. Plus tu meurs en toi-même, plus Dieu te fait vivre. On est d'accord. Vendredi, je suis rentré chez moi à la maison. J'avais projeté de ne pas venir ici à l'église. J'étais fatigué. Il y a une photo qui m'a fait fondre l'âme. Où j'ai vu ce serviteur sous la pluie fléchir les genoux. Prier en plein stade. J'ai dit, Seigneur, lui, s'il peut le faire, je quitte ma couche. Je viens prier en ce lieu. Il y a des choses, si nous ne payons pas le prix, nous ne verrons jamais se réaliser. Jeunes, vous voulez que Dieu vous utilise? Quittez vos lits, venez prier ici. Criez des nuits de prière. Maman, tu veux que ton mari revienne à la maison? Quitte ta chambre, viens en ce lieu. Viens créer ton temps de communion. Pasteur, je sens que je dois venir dormir en ce lieu. L'église est grande, tu peux utiliser n'importe quelle chambre. Non, pasteur, j'ai peur. Il y a des caméras. Le diacre Gauthier va commencer à regarder aussi un ennemi. Mais l'ennemi ne sera pas là. Car lorsque tu dors, voici, il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen de gloire. Soyons des hommes qui fonctionnent avec la prière. Bâtir, oui, mais pas sans Dieu. Ton mariage, il est beau, elle est belle, oui, mais avec Jésus. Seigneur, que dis-tu de cet homme? Que dis-tu de cette femme? Si Dieu ne te donne aucune directive, va vers d'autres frères, sœurs qui vont te soutenir. Tu ne vas pas critiquer la personne parce qu'elle est informe et vide, mais qui vont te soutenir. Parce que de l'informe vide peut sortir quelque chose de bon. Vous enviez toujours tout ce qui est déjà rempli. Et quand il était vide, vous étiez où? C'est pour cela, prenez certains frères et sœurs en photo. On ne connaît pas leur avenir. Je peux continuer. Bien aimé, Néhémie arrive dans cette période durant laquelle il est en train de mettre sur pied ce que j'appellerais une stratégie de développement. Après avoir prié,
Néhémie dit, je réfléchissais. Il dit, en réfléchissant à ses portes. Il a dit, je passais d'abord 3 jours. Après quoi, je m'élevais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire. J'y reviendrai. Il dit, j'étais en train de réfléchir à ses portes. Il va mettre une stratégie de développement. Avant de parler aux autres, lui-même devait d'abord s'assurer des choses. Tâter le terrain. Et toute bonne stratégie implique 4 choses. Prends note. La première des choses, la démarche d'une bonne réflexion. Tu dois réfléchir. Peu de chrétiens aujourd'hui réfléchissent. Réfléchir. Oui, je prie, mais Dieu m'a donné des neurones pour réfléchir. Je vais avec ce frère, je vais avec cette soeur. Est-ce qu'il correspond à ce à quoi Dieu m'a dit? Réfléchis. Que fais-tu dans la vie? Quels sont tes objectifs que tu vises? Que vas-tu m'apporter de plus? C'est la Saint-Valentin. Hey. C'est un coup de foudre, pasteur. Tu ne comprends pas, pasteur. Il a dit que j'avais des beaux pieds. Hey. Et toi, tous les jours, tu es en escarpin au talon. Il a vu tes pieds. Toi-même, tu n'as pas réfléchi, mais tu as accepté. Il a dit qu'il travaillait dans une banque de la place. Ce n'est pas ça qui fait quelqu'un l'homme. C'est ce qu'il a en lui. Il parle bien. Il s'habille bien. Il a une belle démarche. Ce sont les types d'hommes que moi je veux avoir. Il a la vingtaine. Il a 25 ans. Même à un moment donné, il aura la tête dégarnie. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, on peut aller en Turquie faire des implants capillaires. Mon frère, ne touche pas ta tête. Tu es beau comme ça, frère. Mais est-ce que tu vas l'accepter tel qu'il est? Aujourd'hui, il porte une taille, veste taille 50, 48, 50. Quand il ferme, on ne voit pas les ventres. Demain, il a un ventre bédonnant. C'est passé de 46, 48, 50 à 60. Tu vas toujours continuer à l'accepter. Je suis en train de donner des exemples. Je ne me moque pas de ceux qui portent du 60. Mais je donne des exemples. Prenons le temps de prier. Deuxième des choses. Non seulement elle réfléchit, elle se pose les bonnes questions. Toute stratégie, tu te poses les bonnes questions. Néhémie se posait les bonnes questions. Serais-je capable de reconstruire cette muraille? Comment vais-je faire pour finir? Il était en train de réfléchir. Pourrais-je atteindre l'objectif? Parce que lorsqu'il a quitté le roi, il avait donné un délai, un deadline, qui était d'une cinquantaine de jours, si ma mémoire est bonne. Il a dit, je reviendrai à telle période. Et le roi lui a laissé partir. Donc c'est-à-dire que ce qu'il devait faire était compté dans une période de jours. Troisième des choses, une personne qui met sur pied une stratégie de développement, la stratégie de développement, ce n'est que d'autre, la vision. Anticipe les problèmes. Quels sont les problèmes que je pourrais rencontrer? Oui, il a eu des problèmes spirituels, les Sambal et les Tobija. Mais comment maintenant, lorsqu'il doit anticiper les problèmes? Parce que bien aimé, dans toute vision, il y a toujours des révisions. Et la quatrième des choses, bien aimé, afin de prendre les bonnes décisions, tu dois prendre les bonnes décisions. C'est ça, bien aimé, que le Seigneur nous appelle à faire. Nous voulons posséder notre héritage, mais nous devons réfléchir. Nous devons nous poser les bonnes questions, anticiper les problèmes et prendre les bonnes décisions. C'est pour cela que Néhémie ne va pas travailler seul. Oui, Néhémie réfléchit, il fait une analyse de la situation, tout en s'appuyant sur l'Éternel, bien sûr, car c'est un homme de foi, parce qu'il dit, l'Éternel nous donnera du succès. Mais il n'exclut pas qu'il puisse tâter le terrain, qu'il soit face à la réalité. Il fait travailler ses neurones, il fait travailler son intelligence. Et remarquons une chose, bien aimé, Néhémie arrive sur place, il ne dit pas, Dieu m'a dit.
La Bible dit, il fit quoi? Combien de jours? Arrivé à Jérusalem, j'y passais 3 jours. Ah, Néhémie, toi tu as un ainsi dit l'Éternel. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Comme dirait, non, mais ça chôme. Cette chose-là en toi est en train de chômer, Élie. Mais Néhémie, ça chôme, ça pourrit. Il dit, j'y passais 3 jours. C'est-à-dire qu'on peut être enceinte des grandes choses de Dieu. Mais le temps d'accouchement, quelquefois, dépend de nous. J'y passais 3 jours. Pourquoi? Je ne veux pas agir dans la précipitation. Il ne se précipite pas. Il patiente 3 jours. Il prend le temps. Et ce que j'aime, il dit, il ne dit rien à personne. On le souligne même au verset 16. Il est important de savoir ceci. Dans notre période de gestation, il est quelquefois bon d'attendre en silence et de se taire. S'il faut partager l'info, faites-le avec des gens qui vont vous aider à aller de l'avant. Moi, je suis contre les gens qui aiment toujours étouffer les autres. On me raconte l'histoire d'une personne, d'une sœur, qui va dire à une autre amie, une autre sœur. C'est réel parce que je connais. Oh non, ce frère est en train de me faire la cour. La sœur le décourage. Et plus tard, la sœur, le frère épouse la sœur qui l'avait découragée. En fait, mais c'est vrai. Comment? Non, moi des gens comme ça, non. Et toi aussi tu vas assister à son mariage. On t'a détrôné parce que tu as partagé l'info à n'importe qui. Non, c'est pas ton style. C'est pas ton style. Pardon. Non. Comment tu peux tuer? Je ne parle, ce n'est pas en dehors de l'église, c'est dans l'église. Je ne parle pas des païens. Et toujours cette même soeur va toujours te poser des questions. Telle me fait la cour, qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, les deux personnes auxquelles elle allait poser la cour, poser les questions, les deux sont mariées. Elle est toujours célibataire. On les a découragés. Bien-aimés, associez-vous avec les bonnes personnes. C'est pour cela que moi j'aime le dire. Je connais tout le monde, mais je ne suis pas ami avec tout le monde. Même Jésus-Christ, dans son ministère, il avait des personnes qui l'amenaient. À la montagne de Transfiguration, il n'était pas à 12. Hein? Ils étaient à combien? 3. Cercle fermé. Mais vous prenez tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça que le jour de ton mariage, tu ne sais même pas qui est invité. Et tu te retrouves dans l'enveloppe, on te dit que bébé, que Dieu te bénisse. Parce que la personne que tu as invitée n'a pas ton fardeau. Quand on sélectionne, non, pourquoi il sélectionne? Oui, je vais sélectionner. Parce que j'ai besoin des gens qui m'accompagnent. J'ai besoin des gens qui croient en moi. J'ai besoin des gens qui me boostent. J'ai besoin des gens qui me relèvent. J'ai besoin des gens qui croient en mon ministère. J'ai besoin des gens qui me disent, vas-y, va de l'avant. Même lorsque je tombe, il sait me relever. Il ne m'écrase pas. Aujourd'hui encore, avec les réseaux sociaux, nous sommes forts à écraser les gens. Le pauvre serviteur, je parle parce que c'est sur les réseaux sociaux, peut-être vous ne connaissez pas. Il s'est mouillé, on l'encourage, d'autres disent c'est du fanatisme. Jalouse. Vous les suivez, qu'est-ce qu'il dit de plus? Moi aussi. Hier j'étais au salon de coiffure, vous savez, il y a des gens qui sont un but d'eux-mêmes. J'étais devant un homme, bon, soi-disant politicien. Il est en train de se vanter. Il dit non, j'avais fait un débat. J'ai dit, Seigneur Jésus, quelle fausse humilité. Un but de toi-même. Tu veux que tout soit centré sur toi. Si les caméras sont déplacées vers l'autre, toi, tu es jaloux. Laisse l'éclairage. Ton temps viendra où le projecteur se rend sur toi. Mais toi, tu es jalouse. Au mariage, on ne vous invite pas. Moi, je suis contre ces gens. Permettez-moi d'en parler. On ne t'a pas invité, mais tu vas demander l'invitation. Comment Jésus-Christ dit, il faut avoir quand même une certaine dignité. Manger que tu ne manges pas à la maison. Qu'est-ce que tu vas danser que tu ne danses pas à l'église? Quel habit que tu ne vas pas porter? Cet habit, si ça chôme, viens avec dimanche au culte. C'est pour cela, moi, dimanche, je m'habille. Parce que je ne sais pas, peut-être je n'irai plus aux fêtes. Tu viens toujours comme ça, et le jour où on t'a pas invité, le costume là qui ne te va plus, tu l'as gardé, ça fait 3 ans, porte-le.
Tu commences à chasser les invitations par force. Moi, j'ai honte de ces choses. Il faut garder sa dignité. On ne t'invite pas. Gloire à Dieu. Pourquoi lui, on l'a mis sur cette place-là? Moi, on m'a mis à l'arrière. Or, tu connais la relation qu'elle a avec cette personne. Je peux continuer? Némi réfléchit. Il fait une analyse de la situation, tout en s'appuyant sur l'Éternel. Car c'est un homme de foi, j'en ai parlé tantôt. Il anticipe, il ne se précipite pas. Et ce que j'aime bien aimé, ce n'est qu'après avoir étudié la faisabilité de la chose, qu'il lancera son projet, qu'il parlera aux autres, parce qu'il dira, allons-y, lèvons-nous et bâtissons, l'Éternel nous donnera le succès. Il a su amener la foule au niveau où il était. Il a d'abord fait une analyse de la situation. Avant de parler aux autres de ton projet, analyse. Dans d'autres jargons, on parle de business plan. Amène quelque chose de concret qui va faire que moi je crois en ton projet. Quel est ton business plan? Qu'est-ce que tu as fait? Et pasteur, Dieu lui-même sait. Oh! Va demander à ton Dieu qui te donne l'intelligence pour réfléchir. Comme ça, tu reviens vers moi, nous discutons. Pasteur, je veux me marier cette année. Pasteur, je veux faire ça cette année. Quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas te marier. Comment sera ton mariage? Ça va se passer comment? Tu as déjà trouvé. Vous savez, frère, et c'est ça qui est le comble. Moi, je suis un peu contre. Aujourd'hui, l'église devient comme la charrue qui construit. Quand vous faites vos business plans de mariage, connaissez aussi les programmes de l'église. À la commune, on vous impose les jours. Comment ça s'appelle? Les salles vous donnent les possibilités, mais à l'église, vous ne voulez pas qu'on vous donne aussi notre possibilité. Quand on vient à l'église, il faut que tout soit oui, amen. Pasteur, je me marie le 24. Ah! Donc le pasteur, il ne peut rien dire. Et quand vous allez à la commune, on vous dit, il n'y a pas possibilité. Vous faites par rapport à ce que la commune vous dit. Pourquoi pas à l'église? Parlons-en un peu, bien-aimés. Que ceux qui veulent se marier cette année, Golela, le couple Golela est là. Venez les voir. Donnez-leur votre business plan. Si ça correspond avec le business plan de l'église, nous vous accompagnons. Bah, aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut se marier à l'extérieur. Surtout en été, il fait beau. Je comprends. Mais maintenant, quand l'église vous dit, voici les prix, quand vous vous mariez à l'extérieur, ce qu'il faut faire. Oh non, vous êtes charnel. Nous ne sommes pas charnels. Vous déplacez l'église. Vous déplacez le pasteur. Le bourgmestre de la commune, quand vous le déplacez, on vous dit ce qu'il faut faire. Mais vous, à l'église, non, vraiment, vous êtes charnel. Ce n'est pas question de charnel, c'est question d'organisation. C'est l'informel qui doit devenir formel. Hier, j'ai appris un grand mot ici. On est ensemble. Troisième lieu, je vais aller rapidement parce que j'aimerais pendant tout le mois de mars, je ne prêcherai que le 31 mars, le jour de la Pâque, Dieu voulant. La troisième des choses, c'est l'accouchement. On a parlé de la grossesse, on a parlé plutôt de la conception de l'accouchement. Je vais aller rapidement, il me reste combien de minutes? 8 minutes, frère, ajoute un peu, non? Amen. Le temps de l'accouchement, c'est quoi? C'est le temps dans lequel vous êtes ce que Dieu, vous, ce que vous êtes et ce que Dieu a placé à vous arrive à terme, finit par éclore. On passe le temps de la maturité, le temps de l'accouchement, bien-aimé. C'est le temps où votre être et votre avoir arrivent en pleine maturité. Amen. C'est-à-dire, selon ce que Dieu veut et attend de vous, ça arrive à sa pleine manifestation. Il y a un temps, bien-aimé, où Dieu te travaille dans le secret. Mais il y a un temps où ce que Dieu a placé en toi et ton être doivent correspondre pour que tu sois l'homme et la femme du temps. Écoutez ce que la Bible dit de Josué. Nous sommes dans Josué chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, j'aime ça. Or, Dieu avait parlé à Josué dans Josué chapitre 1er. Dans les livres de Nombres, dans les livres d'Exode, on parle de Josué, de ce saint. Dans Josué chapitre 1er, Dieu dit à Josué, dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi. Et maintenant, dans Josué chapitre 3, verset 7, j'aime ce que la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, le temps d'accouchement, c'est ton aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse.
Josué, tu as trop patienté. Maintenant, moi, l'Éternel, je t'accouche parce que tout ce que j'ai placé en toi et ce que tu es devenu correspondent. Le temps de l'accouchement, c'est ton aujourd'hui. C'est comme pour dire, puisque tu as pleinement satisfait à la période de gestation et que tu as su conserver les choses qui sont placées en toi, il est temps que tu puisses accoucher de celles-ci. Il y a des gens qui sont porteuses, porteurs, porteuses des choses. Bien-aimé, le temps d'accouchement est déjà là. Mais tu ne sais pas discerner le temps de ta visitation parce que tu es dans la distraction. Il faut que tu accouches. Si les médecins connaissent le temps de l'accouchement physique, ils peuvent dire, vous êtes rose, vous attendez un enfant. Votre période d'accouchement sera peut-être dans telle période. Ils savent avec exactitude à combien plus forte raison le chef des médecins, le médecin des médecins, le gynécologue des gynécologues, celui qui peut faire une opération sans laisser de cicatrices, celui qui peut donner à une stérile, peut donner enfanté, a dit, tu la stérile enfant de cette fois, à combien plus forte raison ce Dieu-là ne peut-il pas te faire accoucher de ce qu'il a porté, ce que tu portes depuis les temps anciens. Je suis là pour dire à quelqu'un, ta grossesse est arrivée à terme. Accouche. Ce n'est pas un prématuré. Je refuse un prématuré. Je refuse qu'on l'amène dans la couveuse. Je refuse que ta vision passe dans une couveuse. C'est le temps où tu dois faire sortir ce que Dieu a placé en toi. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes la main de gloire. Alléluia. Les premiers temps semblent être douloureux et compliqués. Mais puisque vous savez que vous êtes dans votre période, vous avez pleinement résolu de donner naissance à ce que Dieu a placé en vous. Luc chapitre 1, verset 57. Nous lirons deux passages. Luc chapitre 1, verset 57 et Luc chapitre 2, verset 6 à 7. On parle de l'accouchement d'Élisabeth et de Marie. Écoutez ce que la Bible dit. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Oh Jésus, l'ange Gabriel a parlé à son mari. Il a donné une prophétie. Elle est tombée enceinte. Sa femme est tombée enceinte. Le sacrificateur Zacharie, la femme qui s'appelle Élisabeth, est tombée enceinte. La Bible dit le temps où Élisabeth devait accoucher, c'est-à-dire la période qui était fixée, arriva. Et la Bible ajoute, elle enfanta. On n'a pas dit qu'elle a perdu. Lève ta main. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je prie pour quelqu'un ce midi. Je refuse un avortement prématuré dans ta vie. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine physique. Je suis en train d'arrêter tout avortement. Le temps où tu dois accoucher doit arriver. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi une amen de gloire. La Bible dit, elle enfanta. Dans son sein, elle portait un fils qui s'appelait Jean-Baptiste. Elle a enfanté Jean-Baptiste. Luc chapitre 2, versets 5 à 6. Écoutez la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arrive. C'est-à-dire, elle est tombée enceinte. Il y a un temps où elle devait accoucher. Et c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle marche, elle s'accomplira certainement. Et la Bible dit, verset 7. Elle enfanta son fils premier-né. Entre dans la dimension où tu crois que ces choses que Dieu a placées en toi vont arriver et que tu vas enfanter. Le temps, on parle du temps. Je dis à quelqu'un, peut-être c'est ton temps T, peut-être c'est ton heure H, c'est ta minute M, c'est ta seconde S. La Bible dit le temps où elle devait enfanter arriva. Oh, je prie que le Seigneur te fasse comprendre. Rien ni personne ne pouvait arrêter son accouchement. Cela avait été déjà programmé, car ce fut une parole qui marchait vers son terme. Il y a toujours un temps fixé par Dieu. Il y a toujours un temps fixé par Dieu. Je dis à quelqu'un, même si on veut t'écraser, il y a toujours un temps fixé par Dieu où tu vas enfanter. Je ne sais pas, tu es porteur, porteuse de quoi, mais je prie que Dieu te fasse enfanter en son temps.
Oh non, pasteur, il y a des complications, il y a des cerclages. Mais si le temps, Dieu a programmé ton accouchement, ça va arriver. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Écrit à l'ange de Philadelphie. Apocalypse 3, versets 7 à 8. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé. Tu as su garder la grossesse et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Lorsque ton temps arrive, même moi, pasteur, je ne pourrai pas le fermer. Parce que ce que Dieu a dit du haut du ciel, personne ne peut l'arrêter. Ce que Dieu a proclamé, même si l'ange, le roi de Perse arrive, le jour où Daniel a fléchi les genoux, il a compris, la parole a été annoncée, le roi de Perse s'est dressé, mais puisque c'était déjà prémédité, puisque Dieu avait décidé que c'est le temps où je dois révéler à Daniel les choses d'en haut, le roi de Perse n'a pas pu s'arrêter. J'aimerais dire, ils ne pourront pas t'arrêter lorsque c'est ton temps. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils voudront arrêter. Ils pourront dire tout ce qu'ils ont à dire. Ils pourront vouloir venir chercher à ruiner ton témoignage. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, faites la guerre, elle sera sans effet. Préparez vos armes, ils seront sans effet. Lorsque tu es dans ton temps, tu peux même sortir sur un endroit rocailleux. Lorsque tu es dans ton temps, tu peux même pousser là où il y a un béton armé. Lorsque tu es dans ton temps, Dieu peut te faire sortir là où personne ne t'attend pas. Si tu es d'accord avec moi, tu te lèves et tu acclames le Seigneur Jésus. Il s'appelle Elohim. Elohim Adonai. Chorale, venez. Nous allons finir par cette cantique. Elohim Adonai. Déclare, je suis dans mon temps. J'entre dans ma destinée. Est-ce que tu peux prier maintenant? Prie maintenant. Prie maintenant. Prie, prie, prie. Nous allons bientôt clôturer. Allez, prie. Élève ta voix, commence à prier. C'est Elohim que nous sommes en train d'invoquer maintenant. Elohim Adonai.